Merci Geneviève. Bah, d'abord, merci à Geneviève donc, et à tout philo de nous inviter. Finalement, les salles, ça va devenir une distinction de ne pas être dans les dorures et les salles officielles. Parce que finalement, de salle en salle, en ce moment, on est bien en train de rencontrer un peuple qui est très différent de celui qu'on fréquente dans les salons et les grandes salles parisiennes. Donc finalement, très très bien, hein, la salle en travaux, on n'avait pas fait, mais du coup, la chaleur est encore plus impressionnante, on est très nombreux. Donc merci à tous d'être venus si nombreux pour écouter Juan Branco. Merci à Juan d'être venu à Vauvert et de faire un petit tour gardois, puisqu'on était hier soir à Saint-Laurent-des-Arbres. Voilà, bah, c'est bien fidèle à ses engagements, hein, ceux qui sont pour le peuple. Comme il le dit, je voudrais juste introduire un peu l'après-midi où vous allez poser des questions à Juan, parce que il vient peu souvent, donc pour une fois que vous avez l'occasion de le rencontrer, bah, il est là pour vous répondre. Mais d'abord en disant que j'ai jamais vu, et je crois que je ne suis pas la seule, hein, en l'occurrence, il publie aussi des livres chez Michel Lafon, qui est un éditeur indépendant qui a l'habitude pourtant des gros tirages, des grosses ventes et des gros médias. Et je crois qu'on n'a jamais vu un ostracisme aussi violent, une censure aussi parfaite de la part des médias sur un auteur et une personne, au-delà des textes qu'il écrit, il intervient aussi comme avocat, etc., et comme homme public, aussi censuré, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, alors Juan peut faire beaucoup de presse, c'est toujours pour le dénigrer, jamais pour parler de ses livres, de ses positions, de ses propositions éventuelles, de ses textes, de sa plume, de son style, de ce qu'il est, et surtout de ceux qu'il représente. Pour donner un signe, mais je pense que vous êtes très nombreux à l'avoir remarqué, il vient de donner une interview sur un site qui s'appelle Les Incorrectibles, qui a fait, on est à près de 400 000 vues en moins de 10 jours, par un journaliste reconnu, hein, Eric Morillo, et très pro, et d'ailleurs très bien. Donc je vous conseille tous, c'est sur YouTube, ça dure 1h30 à peu près, 1h20. Et voilà, 400 000 vues en 10 jours. Beaucoup de gens qui, dans ces périodes, tout le monde essaie de rassembler derrière lui, sera intéressé par une représentativité pareille. Ben, cette représentativité, c'est même pas un motif pour la presse, par exemple, de parler de ce petit livre qui vient de sortir, ou de celui-là qui est sorti en poche il y a 2 mois et en France il y a 6 mois, et qui n'a pas eu une seule recension presse. Mieux que ça, on peut même pas trouver un attaché de presse professionnel disposé à travailler pour défendre Juan Branco, parce qu'on sait que ça sert à rien. C'est-à-dire que pas une rédaction aujourd'hui, ou quasi, est en mesure, enfin en tout cas de la grande presse dite, on va dire pour aller vite bourgeoise, est en mesure de traiter le sujet, les sujets qu'aborde Juan et ce qu'il écrit lui. Alors juste pour introduire, moi je voudrais parler un peu, présenter un peu ces deux livres. Celui-ci, donc, Trespillard, petit précis de la Macronie, c'est un tour d'horizon, donc un petit précis de la Macronie, un tour d'horizon d'une petite vingtaine de grands commis de la présidente, de Macron, du pouvoir, et de comment ils sont arrivés là, et par quel biais, et évidemment comment, ce qu'ils en ont retiré. Donc vous avez Xavier Niel, Arnaud Lagardère, Montebourg, Édouard Philippe, ça je dois dire, c'est tout à fait spectaculaire, il a l'air bien propre sur lui, vous voyez, et bon, on avait beau savoir, c'est un complément à Crépuscule, bien évidemment, c'est l'état de la corruption, mais finalement ces personnages sont très emblématiques de comment un pouvoir existe et se reproduit, donc c'est un petit livre hyper accessible. D'ailleurs, il est pensé pour être un outil de lutte, hein, à 7 euros évidemment, aussi bien par l'auteur que par l'éditeur. Et alors bon, évidemment personne n'en a parlé, nous on l'a publié sans aucune question sur le plan juridique, en sachant que bon, Crépuscule aujourd'hui c'est pas donc les propos qui sera attaqué juridiquement, c'est l'auteur qui sera par contre dénigré, traîné dans la boue et attaqué personnellement, violemment, mais pas le propos. Et effectivement c'est ce petit livre là, voilà, il est déjà en réimpression. Et on sent bien qu'il atteint sa cible par
Des biais d'ailleurs qui sont tout à fait admirables pour la garantie de liberté de circulation des idées qu'il représente, c'est que même sans médias, voilà, le livre est à peine sorti, il est déjà réimprimé, vous êtes tous là, les choses circulent, donc elles ne sont pas inutiles. L'autre livre, Abattre l'ennemi, c'est... alors là, c'est différent. Bon, c'est un livre de combat, comme son nom l'indique. Et c'est à la fois une grande analyse de la situation politique, du pouvoir, de sa reproduction, de l'ennemi en l'occurrence, plutôt assez théorique, avec des pages magnifiques. Hein. Moi, je retiens des pages magnifiques sur le parcours de Juan, ce qui lui ouvre les yeux, ce dont il peut parler aujourd'hui, si vous le voulez d'ailleurs, et ce parcours unique qu'il fait passer des cercles du pouvoir à la volonté de s'en détacher complètement. Pour les avoir justement fréquentés de près et donc n'en avoir plus aucune illusion dès le début. Et puis, après ce parcours, il y a des pages un peu plus loin sur les présidentielles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est arrivé à la reproduction d'un pouvoir à travers une forme de supercherie démocratique que sont les présidentielles, c'est-à-dire un dispositif qui rendant le pouvoir à un seul en prive tous, le collectif. Mais surtout, à partir du dernier chapitre, agir. Là, on découvre, des derniers chapitres, agir et ensuite, voilà, j'essaye avec ma deuxième main de vous montrer la liste à puces, hein, tout simplement, qui conclut l'ouvrage. C'est-à-dire que là, on a un vrai manuel de résistance politique et avec des propositions de solutions qui ne sont pas celles d'un homme politique de parti, mais d'un homme qui dit voilà comment les choses pourraient être possibles. Alors, autour de ces deux livres, pour poser une première question, parce que l'idée, c'est quand même que vous posiez vos questions. Je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de lecteurs de Juan, vous ne savez pas pertinemment pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous auriez envie de lui demander. La vraie question qui se pose à nous tous en ce moment, d'abord dans une période présidentielle et puis surtout dans une période de recrudescence de nouveau des luttes, recrudescence, étouffement hein, quand même, mais ça, Juan va vous en parler. On est aujourd'hui au moment où naît la marche de la liberté avec des... Je ne sais pas si vous avez regardé des photos sur Internet ce matin, enfin ça y est, il y a des tanks dans les rues de Paris. Il y a des tanks dans les rues. À l'étoile, voilà. Et si vous êtes 10 sur un trottoir, vous faites contrôler et vous avez une amende pour un regroupement illicite. Enfin c'est, voilà, on est en France quand même, c'est spectaculaire. Donc la vraie question dans cette période pré-présidentielle et où on voit les luttes qui naissent, qui se développent, c'est Juan, comment est-ce que d'un livre à l'autre, là tu travailles à la transformation, tu appelles à une révolution, mais comment est-ce qu'on peut transformer en ce moment les luttes qui se produisent et peser sur le pouvoir? Merci beaucoup, bonjour à tous, merci d'être là, merci d'avoir édité Crépuscule, d'avoir eu ce courage et d'avoir eu le courage d'éditer 13 pillards encore plus, parce que c'est 13 petits portraits donc qui nous exposent beaucoup aux poursuites juridiques théoriquement, parce que en fait, le droit de la diffamation est fait pour protéger ceux qui sont déjà protégés et pour exposer ceux qui essayent de les critiquer ou de les dévoiler, et donc c'était un vrai risque, un vrai engagement de votre part, je pense qu'aucun autre éditeur l'aurait fait, et je pense pourtant que c'était très très important parce que comme vous le disiez, il y a vraiment un aspect d'outil de lutte de par la facilité, l'accessibilité, de par le fait la construction, c'est-à-dire 13 petits portraits qui peuvent être lus comme ça un peu aléatoirement comme on veut, qui permet en fait de rendre un peu plus accessible un propos qui était peut-être plus difficile à lire dans d'autres textes. Juste pour rebondir sur la question du convoi de la liberté, je suis censé être en ce moment même au Conseil d'État. Et c'est pour ça que j'ai mon ordinateur là, parce que du coup, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, une des dernières corporations qui reste autorisée, c'est les avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation. C'est 200-300 personnes qui ont le monopole sur la représentation devant ces deux institutions, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ils ne peuvent pas agir dans tous les autres tribunaux, là c'est les avocats normaux qui peuvent le faire, et à l'inverse, nous, en tant qu'avocats normaux, on ne peut pas agir auprès du Conseil d'État. Donc j'ai trouvé, et ça coûte très très cher évidemment, parce que si vous imaginez, vous êtes 200 et vous avez toute la France comme marché, vous montez les marches très rapidement. Et là, on a trouvé ce qui est une qualité très rare, parce qu'en général, c'est des gens très installés, très bourgeois, très dans la compromission avec le pouvoir. Quelqu'un qui a accepté de prendre le relais gratuitement en fait, pour la cause, tout simplement, et qui est en train de m'envoyer
au fur et à mesure sur mon ordinateur, c'est pour ça que j'ai pris mon ordinateur, je suis désolé, l'avancée de l'audience et de me demander soit des instructions, soit des informations complémentaires sur ce qu'il doit plaider pour lever l'arrêté d'interdiction qui a été pris par le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, sur toute manifestation ayant trait aux questions du convoi de la liberté, donc le pass vaccinal, mais aussi prix de l'essence, blocage des prix, ainsi de suite, pendant 4 jours, dans l'ensemble de Paris. Ce qui est quand même quelque chose de complètement inédit. Déjà, l'interdiction de manifestation, c'est quelque chose d'unique, théoriquement, de très exceptionnel, parce que c'est un droit constitutionnel, protégé par la Convention européenne des droits de l'homme, et ainsi de suite. Et par ailleurs, parce que quand vous faites une interdiction de manifestation, vous interdisez une manifestation sur un point précis pendant une durée limitée. Vous ne faites pas une sorte de blocage général de la capitale pendant 4 jours en vous donnant du coup un pouvoir absolu de contrôler qui vous voulez quand vous voulez, de verbaliser qui vous voulez quand vous voulez, pour peu qu'il soit dans une voiture et qu'il ait un visage ou une façon de s'habiller ou de se comporter qui vous plaise pas. Enfin, on est en train de rentrer dans un rapport au droit qui devient parfaitement délirant. Donc ça fait quelques années qu'on a cette parole qui consiste à dire « N'oubliez jamais que le droit est l'instrument du politique ». Donc les avocats, tout ça, c'est très gentil, mais c'est juste un moyen parmi bien d'autres pour atteindre des fins. Et dans un système où la production du droit est contrôlée par les élites auxquelles vous vous opposez, par nature, en fait, ils vont avoir un effet très limité. Et la croyance dans le droit, que j'ai vu beaucoup ressurgir, alors malheureusement ça s'est calmé pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire parce qu'on a vu que ça servait à rien, mais j'avais beaucoup de pression pour agir, par exemple, contre le pass sanitaire, quand il a été annoncé par Emmanuel Macron. On me disait « Pourquoi vous ne faites pas des actions, comme certains de mes confrères? Pourquoi vous mobilisez pas? Qu'est-ce que vous faites ?» et ainsi de suite. Et j'étais un peu, non pas déçu, mais j'avais du mal à expliquer aux personnes qui m'interpellaient qu'il était d'évidence inutile de tenter ces actions, parce que d'évidence, il y allait avoir une fin de non-recevoir qui allait nous être opposée, parce qu'il y avait une congruence très importante entre le pouvoir politique et l'État, et les organismes d'État, donc notamment le Conseil d'État et les tribunaux administratifs. Ma position a un peu changé à partir du pass vaccinal, parce qu'on commençait à atteindre de tels niveaux de délire dans les dispositions qui étaient adoptées, que je me suis dit qu'il pourrait y avoir une forme de dissociation au sein de ces élites-là, avec des personnes qui commenceraient en fait à rompre quelque part les rangs, et elle s'est renforcée. C'est pour ça que pour la première fois sur cette crise sanitaire, j'ai décidé d'entreprendre ces actions avec des personnes qui m'avaient sollicité sur ces interdictions de manifestation, parce que là, on touche à quelque chose qui est censé être au cœur de la mission de défense de ces institutions, c'est-à-dire la préservation de liberté immédiate de façon tellement évidente et du risque d'arbitraire qui peut toucher non seulement ceux qui veulent manifester, mais théoriquement n'importe quel citoyen français qui se retrouverait un moment à Paris pour faire ses courses, pour aller voir ses enfants, et ainsi de suite. Et donc évidemment, ça n'a rien donné au tribunal administratif et ça donnera probablement rien au Conseil d'État, mais là, pour le coup, symboliquement, je pense qu'il y avait un coup à marquer, d'autant plus que ça exposait immédiatement des citoyens qui, en ce moment même, sont dans les rues de Paris et qui peuvent se faire contrôler, mettre en garde à vue, fouiller, humilier, et ainsi de suite, voire juger, mais envoyer en correctionnel, pour avoir simplement exercé leurs droits, ou même pire, pour avoir simplement marché sur un trottoir où ils risquaient de se retrouver à côté d'eux, ce qui est arrivé en face du tribunal administratif, où des personnes qui sont venues nous soutenir, une dizaine de personnes, dans la perspective de notre cours, se sont faites verbaliser pour attroupement, 135 € d'amende pour chacune, pour s'être retrouvées sans pancarte ni rien du tout, à quelques amis, devant un tribunal administratif. Enfin, je veux dire, on en est à un niveau quand même de violence symbolique et réelle, parce que 135 €, c'est des sommes qui sont conséquentes, et il y avait une femme qui avait 94 ans, qui avait fait le déplacement, qui est aux minima sociaux pour justement marquer le coup de sa présence, et qui se retrouve aujourd'hui à devoir être confrontée, non seulement face à la sanction qui a été prise, mais aussi au comportement de cow-boy du chef d'escadron, de compagnie, je ne sais pas, qui était présent là, et qui traitait avec un mépris et une condescendance ahurissante, non pas qu'on ait un problème consubstantiel avec les forces de l'ordre dans ce pays, mais dès le moment que vous donnez une marge telle d'action à des personnes et un pouvoir d'action, évidemment, il va y avoir des dérives, soit parce qu'il y a au sein de ces forces de l'ordre des personnes qui ont une propension à se comporter de façon dérivante, soit parce que, tout simplement, en fait, à force de s'habituer, ils finissent par ne plus connaître même les limites qui, jusqu'alors,
les fixer. Et parce que ce n'est pas leur rôle, théoriquement, d'avoir cette autonomie aussi importante de décision. Lorsque vous rentrez dans la police ou la gendarmerie, il y a une hiérarchie très stricte qui a une vocation, justement, à s'assurer d'une chaîne de responsabilité et qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec un mandat qui, théoriquement, a été attribué par le peuple à travers ses gouvernants. Donc, évidemment, quand on dit ces mots-là, ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, je pense qu'on pourrait en rire, en fait, que je parle de cette façon-là du rôle de la police aujourd'hui, tellement c'est complètement en dehors du réel qu'on est en train de connaître. De la même façon que invoquer la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution, etc., est devenu une aberration. C'est-à-dire, c'est redevenu ce que c'était au départ, de simples mots. Sauf que ce sont des mots qui, à un moment donné, ont été conçus pour nous protéger, et qui aujourd'hui ont été tellement vidés de leur sens qu'ils deviennent au contraire des outils d'oppression parce qu'ils continuent à maintenir une croyance dans la nature démocratique du système dans lequel on s'installe, une croyance dans l'état de droit qui permettent de donner des éléments de langage aux personnes qui s'expriment dans les médias pour vous convaincre que vous êtes dans le faux, que vous n'avez pas le droit de réclamer vos droits et de revendiquer un certain nombre d'éléments relatifs aux politiques sanitaires, économiques et ainsi de suite. Et donc on se retrouve dans une situation où ça devient des outils qui sont retournés contre nous et dont il faut se défaire en termes de parole. C'est-à-dire que l'invocation de ces instruments me semble aujourd'hui non pas contre-productive, mais inutile, et quelque part si contre-productive, parce qu'en fait, on donne des gages à ceux qui en détiennent les clés pour exécuter les politiques. Et donc, en se mettant entre leurs mains, on se met dans une situation déjà de soumission par rapport au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, au tribunal administratif, qui très clairement ne sont plus là pour faire respecter ces chartes différentes, mais tout simplement pour protéger le gouvernement. L'audience au tribunal administratif, et j'en finirai là sur cette partie-là, a duré 2 heures, ce qui est très rare pour un référé liberté, c'est très long. Et on avait une juge qui a passé une grande partie des 2 heures à essayer de sauver la préfecture de façon désespérée, en interrompant à plusieurs reprises l'argumentaire qui était présenté par le représentant de la préfecture qui était là, à côté d'un homme en costume avec ses légions d'honneur et sa casquette, son costume d'or, quoi. Et elle n'arrêtait pas d'interrompre pour lui demander « mais donnez-moi des éléments concrets ». C'est-à-dire qu'elle les suppliait presque de leur donner quelque chose qui leur permette de justifier du maintien de cet arrêté préfectoral qui, en fait, n'avait aucun sens. Et la préfecture n'arrivait pas à donner des arguments, de sorte qu'aujourd'hui, l'audience du Conseil d'État, donc qui en appelle de cette décision qui a été prise par le tribunal administratif, est en cours sans que le Conseil d'État ait reçu la décision du tribunal administratif. Parce qu'en fait, ils ne savent pas sur quoi fonder leur décision. Donc ils ont juste rejeté, mais ils n'ont toujours pas écrit la décision qui explique pourquoi ils l'ont rejeté, parce qu'en fait, ils sont sans argument. Et donc, il y a ce qui est une comédie, mais délirante, il y a la juge qui, en ce moment, est en train de présider l'audience avec notre avocat au conseil, qui demande à notre avocat au conseil de me demander de leur transmettre la décision du tribunal administratif dès que je l'aurai reçue, de façon à ce qu'ils puissent prendre une décision sur le tribunal administratif de Paris est séparé de 500 mètres du Conseil d'État. Évidemment, ils ont des canaux de transmission, vous imaginez bien, vu que le Conseil d'État est chargé de l'appel des décisions du tribunal administratif. Ils sont tous les deux composés d'énarques qui couchent ensemble, mangent ensemble, dorment ensemble, se marient ensemble, qui se connaissent pas. Et ils demandent à quelqu'un qui était dans un village de 150 habitants il y a un quart d'heure et qui est aujourd'hui devant vous, de s'assurer de faire contrôle F en permanence sur sa boîte mail pour, au moment où il recevra la décision du tribunal administratif, la transmettre au... Bon, on est à un niveau où la comédie, là, elle nous fait un peu rire, mais ça commence à devenir indécent. Il y a une forme d'indécence dans la lâcheté et dans la recherche de prétextes et d'excuses de la part de ces supposées juridictions pour ne pas avoir à dire le droit et pour ne pas avoir à protéger nos citoyens. Et donc, ce contexte-là, il est évidemment en partie provoqué par le fruit d'une accélération liée à la crise sanitaire. Très bien. Mais il est aussi, en fait, beaucoup plus largement, le fruit du constat qu'on avait fait, notamment avec Crépuscule, puis Abattre l'ennemi, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une démocratie qui n'est plus que de façade, de toute façon, parce que les modalités d'accession au pouvoir, aujourd'hui en France, sont tellement verrouillées qu'on n'est pas du tout dans un enjeu de dialogue entre la population et ses dirigeants. On est en fait dans des luttes de factions au sein d'un petit espace qui s'appelle le Petit Paris, qui a des péages très importants pour y accéder. Pour y accéder, il faut que vous fassiez un certain nombre de compromis très importants, notamment éthiques, moraux, mais aussi de corruption, légale ou illégale, qui vous permettent de faire partie du petit cénacle, qui vous permettent en fait d'être sponsorisé, parrainé, et in fine d'avoir une position de représentativité au sein de ce pouvoir, soit par des investitures qui vont vous permettre de vous faire élire, soit par une nomination directement dans les cabinets ministériels
ou, comme ça a été le cas de Macron, dans un ministère sans avoir été élu à aucun moment, puis ensuite une promotion au sein des médias qui sont détenus par ces oligarques que l'on décrivait dans Crépuscule, qui vont vous permettre de vous faire connaître de la population avec l'aide des magazines People et ainsi de suite, ce qui en retour, une fois que vous serez élu grâce à cette propagande massive qui aura été distribuée, vous permettra d'avoir accès aux ressources d'État qui sont prélevées sur chacun d'entre vous, pour les redistribuer, non pas au reste de la population, mais aux personnes qui vous ont aidé, ce qui va leur permettre d'accroître leur fortune, de racheter des médias, de continuer à corrompre des policiers, des hommes de justice et des femmes de justice, et maintenir leur pouvoir, maintenir ce cercle vicieux qui va leur permettre d'absorber une nouvelle génération de politiciens et ainsi de se perpétuer au pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir en France est tenu ça. Et l'intérêt de l'élection d'Emmanuel Macron, des Gilets jaunes, puis de la crise sanitaire, a été de rendre visible quelque chose qui jusqu'alors était masqué par le charisme, la rouerie d'un certain nombre de politiciens qui étaient un peu plus malins que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui, comme Chirac ou quelques autres, réussissaient à faire illusion pour une partie de la population. Vous voyez, réussissaient à nous faire croire que quelque part, il y avait, de par leur charisme, de par leur sensibilité, quelque chose qui se déroulait, qui était bien du rapport au peuple, et non pas de tout simplement de construction d'un dispositif de pouvoir. Ça a commencé à s'effondrer un peu plus avec Nicolas Sarkozy, qui quand même, entre Bernard Arnault et Martin Bouygues, qui sont ses témoins de mariage, Arnaud Lagardère, qui l'appelle son meilleur frère, ce qui est un oxymore un peu étrange, Vincent Bolloré, qui l'invite sur son yacht au lendemain de son élection, tout cela détenant la quasi-totalité des médias qui avaient justement fait sa promotion de façon outrancière, ont commencé à se dire, bon, il y a quelque chose d'un peu bizarre, quoi. Toutes ces personnes qu'ils connaissaient, notamment grâce à quoi? Grâce au fait d'avoir été maire de Neuilly, où ils ont tous soit leur gamin, soit vive. Enfin, et donc, on commençait à avoir un dispositif qui ressemblait à quelque chose de crapuleux, mais je pense qu'à l'époque, la plupart des personnes avaient plutôt l'intuition que Sarkozy était quelqu'un d'un peu véreux, sans se dire, il y a un système tout entier derrière, qui est une source de corruption, et ainsi de suite. Et après, il y a eu la parenthèse Hollande, on pourrait en parler, parce que, en fait, il va mettre en place les bases du pouvoir de Macron en permettant à Bolloré et à Drahi notamment de consolider leur assise sur un certain nombre de médias, et ensuite arrive évidemment Emmanuel Macron qui empoche les efforts faits par Sarkozy d'une part, qui lui se trouve éliminé de la course au présidentiel de 2017 par un accident qui s'appelle une primaire, quelque chose qui n'est pas prévu dans le jeu oligarchique, qui fait que votre candidat qui est censé s'imposer parce que vous avez le contrôle sur tout, finalement se fait dépasser par celui qui a fait une campagne plutôt dans le territoire et qui était Fillon à l'époque, pour le peuple de droite, et qui, du coup, Sarkozy, se voyant menacé par beaucoup d'affaires judiciaires, détestant Fillon et ainsi de suite, décide de faire basculer tous ses réseaux oligarchiques vers Emmanuel Macron, qui lui-même réussit à capter ceux qui étaient censés soutenir Hollande et qui se retrouvent sans candidat au moment où Hollande, en novembre 2016, finit par renoncer. Et donc, il réussit une sorte de grand chelem qui lui permet cette chose exceptionnelle, c'est-à-dire, en quelques mois, alors qu'il était inconnu de tous et qu'il n'y a aucun de fait de gloire qui pouvait lui être attribué, plutôt un parcours fait de traîtrise, de médiocrité, d'échecs, et surtout de beaucoup de corruption, d'arriver à emporter le bloc bourgeois, les 25 et quelques pourcents, suffisants pour passer au second tour et après s'imposer face au monstre qui était ainsi décrit et que l'on connaît, Marine Le Pen, et qui lui assurait une victoire d'office. Donc on se retrouve face à une situation qui, quelque part, est de l'ordre de l'élucidation. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il faut le prendre positivement parce qu'on est en train d'en voir le bout. On a suffisamment souffert pendant ces 4 ans et demi pour se mettre en position martyrologique. Merci à Emmanuel Macron de nous avoir fait voir et comprendre par cette conjonction de tous ces réseaux en même temps et la grossièreté du mécanisme qu'il a mis en œuvre et l'absence de qualité personnelle qui justifiait en fait que cette personne en particulier ait un parcours si stellaire. Et enfin, cette morgue et cette arrogance extraordinaire, cette explicitation de ce qui est connu de tous ceux qui habitent le Petit Paris, cette façon de parler de ceux qui ne sont rien, et ainsi de suite. Cette absence de limites nous a permis, en fait, quelque part, de nous... de rendre visible quelque chose qui nous habitait, nous traversait, créait un dégoût très important, mais sur lequel on n'arrivait pas nécessairement à faire des mots. Et moi, j'ai eu la chance de me retrouver au milieu de la constitution de ce pouvoir, donc du coup, de pouvoir apporter les informations peut-être qui manquaient pour, évidemment, baliser tout ça. Et donc, à partir de là, le nécessaire détachement par rapport à ces mécanismes de fabrication, de construction de pouvoir, et la nécessaire autonomisation de notre pensée, de notre parole politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconstruit une forme de souveraineté citoyenne, comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne recrée pas des pouvoirs verticaux comme ça, qui, dès qu'ils seront arrivés au pouvoir, nous écraseront à nouveau, nous exploiteront, et comment est-ce qu'on s'assure qu'on crée des mécanismes à minima de contrôle, mais aussi, plus important, d'action sur le réel,
qui nous permettent de limiter en fait la mauvaiseté que crée tout pouvoir sur toute âme, en fait, toute âme qui se retrouve en position de pouvoir par nécessité, de façon plus ou moins excessive selon sa capacité à introspection et les traumatismes qu'elle a traversés et ainsi de suite, va nécessairement rentrer dans une dérive. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une essence du pouvoir qui ne change pas, quel que soit le régime dans lequel on s'inscrit, et on peut penser à tous les outils de contrôle de ce pouvoir que l'on veut, ils ne seront jamais suffisants s'il n'y a pas une implication directe de notre part pour faire contrepoids. Ça, c'est la première chose, et donc ce travail, j'ai commencé à le faire dans Abattre l'ennemi, à partir du travail qui a été fait dans toute la France, par tous les Gilets jaunes, tous les groupes de Gilets jaunes, qui chacun, en fait, se sont saisis de cette question pour essayer de faire des propositions institutionnelles qui rencontrent une forme de consensus, qui permettent de refonder notre politicité. Et ensuite, la question qui reste est celle du comment. En fait, comment est-ce qu'on est fait basculer? Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Parce que dire que tout pouvoir est par nature mauvais, ça serait aussi renoncer en fait à une forme de transformation et rentrer dans une forme de désespérance qui serait catastrophique. Or, moi, j'ai beaucoup hésité, parce que pour l'avoir vu tout en haut, tout en bas, au milieu, pour commencer à avoir un parcours qui me permette de faire un peu un 360 degrés autour de la notion de pouvoir, j'ai quand même, et ces derniers mois en particulier qui ont été particulièrement éprouvants, m'ont laissé un peu, parfois, si ce n'est dépité, un peu désespéré quant à l'hypothèse qu'on puisse construire une alternative qui véritablement soit saine. Parce que quand vous retrouvez par exemple dans une position comme la mienne, il y a nécessairement, et ce serait complètement hypocrite de la part de quiconque se retrouverait à ma place, une forme de sentiment mauvais qui naît par rapport à ceux qui vous font traverser des épreuves qui sont extrêmement violentes. C'est impossible de ne pas avoir quelque part une sorte de laideur qui s'installe en vous, qui essaye de s'installer en vous, qui vise à se dire il faut bien quelque part qu'on fasse payer à quelqu'un ceux qui sont en train de produire de laideur, que ce soit contre moi individuellement, mais aussi contre ceux qui ont été éborgnés, ceux qui ont perdu une main ou un pied, ceux qui ont été mis en garde à vue de façon traumatique et injuste, ceux qui ont été condamnés sans raison, ceux qui tout simplement ont reçu des gaz lacrymaux, et ainsi de suite. Et donc, il est très difficile de résister à cette tentation, et donc, dans ce cheminement, quelque part, qui a expliqué aussi une partie de mon retrait, il y a la tentation de se dire en fait, il y a quelque chose d'irrémédiablement mauvais, parce que ça voudrait dire que si demain je me retrouve à une position de pouvoir, peut-être que la tentation naîtrait de l'utiliser afin de régler des comptes, et donc de revenir dans une forme de lutte de faction dont il est difficile de s'extraire quand on se retrouve face à cette situation. Et puis je me suis quand même rendu compte qu'en fait on est dans une époque particulièrement pourrie, et pardonnez-moi d'utiliser des termes triviaux, et que ce qu'on est en train de vivre est quand même particulièrement exceptionnel, particulièrement grave, et qu'on ne peut pas faire une généralisation sur le rapport au pouvoir, sur ce qu'est le politique, etc., à partir de ce qu'on est en train de vivre. Je pense qu'on est en train de vivre une des époques les plus tristes et basses de la politique en France, de façon générale du vivre ensemble et de ce qui est en train de devenir notre pays, et il y a beaucoup d'arguments opposés à ceux qui nous gouvernent, non seulement pour les dégager, mais aussi pour les remplacer, pour construire quelque chose de différent à partir de nos vécus, à partir de ce qui a été constitué, notamment lors des luttes des Gilets jaunes, auparavant des luttes syndicales contre la loi travail, auparavant encore, on pourrait remonter quel que soit l'âge qui a constitué l'engagement premier de chacun d'entre vous, et évidemment plus récemment avec la crise sanitaire, il a découvert pour beaucoup de Français qui n'étaient pas Gilets jaunes, de ce qu'est l'arbitraire, de ce qu'est l'oppression, de ce qu'est l'injustice, et de ce qu'est l'isolement, la marginalisation, y compris, moi, ce qui m'a beaucoup marqué lors des premières manifestations sur ces questions, c'était de voir des dames âgées du 16e arrondissement de Paris, qui sont très, très bourgeoises, très à droite, très, en général, par ailleurs, très, 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 très croyantes, et ainsi de suite, qui descendaient dans la rue avec des personnes sur lesquelles, quasiment, je pense, elles étaient capables de cracher quelques années auparavant, qu'elles ont probablement exploité ou dont elles ont participé à l'exploitation toute leur vie, et qui, tout d'un coup, devenaient des frères et des sœurs d'armes, parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de dériver de façon définitive au sein de ce pays. Et donc, à partir de là, la question qui se pose, c'est la question de l'outil. Comment est-ce qu'en fait, on produit cette bascule? Comment est-ce qu'on produit cette rupture? J'étais très, très intéressé par le convoi des libertés, par les modalités d'action, mais auparavant, pour montrer aussi que ce qu'on est en train de faire commence à avoir du sens. On a été dans une excitation probablement des Gilets jaunes et une impatience, d'une part liée à l'urgence de ce qu'on vivait, de ce que traversaient beaucoup de Gilets jaunes, la souffrance qui était la leur, l'humiliation, la nécessité de mettre un stop au pouvoir par rapport aux mots qu'ils utilisaient aussi à l'égard d'une grande partie de la population française, ça c'est en négatif, et en positif, de par la jonction
et la rupture du sentiment de solitude, qu'il soit politique ou réel, que beaucoup ressentaient, et qui tout d'un coup, en voyant une masse de personnes comme elle, ont pensé que tout était possible tout de suite. Ce que je comprends et ce que j'ai ressenti aussi, tout d'un coup, voir une telle force et un tel tremblement en face, nous a donné en fait une puissance et un espoir énorme qui ont fait qu'on s'est retrouvé aux portes de l'Élysée, mais qu'aux portes de l'Élysée, alors que les policiers reculaient, là on s'est posé la question, mais pour, enfin, qu'est-ce qu'on ferait si on rentrait à l'Élysée, et est-ce qu'on se connaît assez pour rentrer ensemble à l'Élysée, est-ce qu'on ne va pas se faire trahir, à qui est-ce qu'on donnerait les clés temporairement, enfin, toutes ces questions-là étaient parfaitement irrésolues, et en fait, notre puissance, qui était le fait de surgir quasiment d'un instant, était aussi notre faiblesse qui ne nous a pas permis d'avoir le courage, si ce n'est de rentrer au Fenwick dans l'hôtel particulier de notre pauvre Benjamin Griveaux, de la même façon, symboliquement, pour lui dire « on se calme maintenant, parcourir dans ton jardin avec ton officier de sécurité et laisse-nous tranquille un instant ». Donc, on était sur une phase, mais ce mouvement et cette dynamique qu'on a créée, ces rencontres que l'on a faites, non seulement fait par exemple qu'on soit là ici aujourd'hui, mais que les cœurs des mobilisations qui sont en train de naître maintenant proviennent très généralement de personnes qui étaient présentes au début, qui justement entre-temps ont commencé à se découvrir, ont commencé à apprendre des techniques de mobilisation, à gagner une expérience, une connaissance de la réaction qu'ont les appareils de pouvoir à leur égard, et en fait on est en train de construire et de mûrir quelque chose sans avoir besoin de se structurer. Comme vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont participé au mouvement, il y avait des appels lancinants permanents à la structuration et une grande résistance sincère et raisonnée. Je trouve que les gens avaient raison de s'opposer à ça, parce qu'on ne voulait pas de représentants, on ne voulait pas reproduire ce qui existait déjà. Mais il y avait en effet quelque chose qui avait du sens, qui était de dire il faut qu'on construise quelque chose. Et en fait, cette construction est en train de se faire naturellement au fil de l'évolution du contexte politique. Et aujourd'hui, ceux qui font le convoi de la liberté s'appuient énormément sur des piliers du mouvement des Gilets jaunes qui leur transmettent beaucoup d'informations, ont appris des erreurs des Gilets jaunes sur un certain nombre de sujets, et l'un des éléments importants d'apprentissage, c'était le danger de s'exposer corps nu, c'est-à-dire de se retrouver face à la violence d'État, désarmé, sans protection d'une quelconque forme que ce soit, sans institution capable de dire, de négocier ou de s'opposer aux velléités du pouvoir en disant « là, si vous allez trop loin, ça va très mal se passer », parce qu'on n'avait pas de représentants, personne qui était capable de porter ce message aussi, ce qui faisait notre pureté, notre force, mais aussi nous exposait à une violence qu'on a connue, qui était débridée et complètement délirante. Et donc là, il y a cette construction qui, encore une fois, intuitivement, me paraît merveilleuse, qui se dit bon, « on s'est pris des LBD, des gaz lacrymaux, on y allait un peu trop nu, bah, qu'est-ce qu'on va faire cette fois ? On va y aller en voiture. » C'est-à-dire qu'on va tirer des LBD sur les voitures, on va voir ce que ça donne, vous voyez ? Et donc, on est sur une dynamique, vous voyez, qui est presque une dialectique avec le pouvoir, et on voit bien, quel que soit le résultat de cette journée, la réaction complètement disproportionnée de la part de ce pouvoir, la sortie des tanks, l'interdiction sur 4 jours de toutes les manifestations, et ainsi de suite, c'est déjà une énorme victoire. C'est déjà une énorme victoire parce que ça montre leur vulnérabilité et à quel point ils sont à ça de s'effondrer. Et en fait, à quel point ils sont dans l'inquiétude de s'effondrer. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a tenté d'appeler au calme depuis la Bretagne. Vous l'aurez noté, depuis la Bretagne, bien loin de Paris. Et en essayant, vous voyez bien qu'il est en train de surjouer. Il est en train de prétendre que tout va bien. Donc il se pose un peu en sage indien qui regarde un peu ça de haut en disant « Oh, allez, les enfants, tout le monde aurait dû d'un ton, que ce soit la préfecture, le gouvernement ou les manifestants. » Mais dans les faits, ils sont extrêmement inquiets, évidemment, parce que de la même façon que je vous le disais pendant les Gilets jaunes, ce tremblement que vous avez réussi à produire dans leur chair et dans leur corps, en vous approchant des lieux où ils habitent, des lieux où ils exercent le pouvoir, c'est un tremblement qu'ils ne ressentaient pas depuis très longtemps. C'est un tremblement qu'ils ne ressentaient pas depuis très longtemps, et c'est le seul tremblement qui soit à mesure de produire une rupture et un effacement de leur part. Parce que s'il y a eu un hélicoptère prépositionné auprès d'Élysée, des services de l'Élysée, après l'acte 3 des Gilets jaunes, c'est bien que vous voyez bien qu'ils sont capables d'ordonner un certain nombre de violences de la part des forces de l'ordre à l'égard de la population, mais ils savent aussi très bien que ces forces de l'ordre ont un point de rupture. Et qu'à un moment donné, il y a des gestes qu'ils n'oseront pas commettre à l'encontre de personnes qui leur ressemblent, qui ont des revendications qui sont en partie les leurs, et ainsi de suite. Donc ils peuvent se laisser corrompre jusqu'à un certain niveau. Vous vous souvenez des primes qui ont été versées aux forces de l'ordre pendant les Gilets jaunes pour s'assurer de leur fidélité, des déjeuners d'Emmanuel Macron dans la caserne, du discours qui leur a été fait, ainsi de suite, à son retour d'Argentine, du G20, du sommet international auquel il participait après l'acte 3. Mais
il y a un moment où, évidemment, cette bascule risque d'intervenir. Et ces personnes-là qui nous gouvernent savent parfaitement qu'au moment où cette bascule interviendra, il n'y aura plus rien entre eux et le peuple. Et là, ça risque d'être, évidemment, un déchaînement qui sera beaucoup plus inquiétant que ce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire des convois, en fait, très sympathiques de personnes qui n'ont qu'un objectif, encore une fois, c'est de faire entendre leur détresse, leur souffrance, leurs revendications et leurs idées, donc à la fois en négatif et en positif, au cœur de Paris, parce qu'ils ont enfin compris que c'était là-bas et là-bas seulement, justement, qu'un tremblement pouvait être produit. La seule façon, alternativement, de provoquer une bascule, c'est de lier ce genre de mouvement qui se dirige vers la capitale avec des mouvements qui touchent aux préfectures au sein des différentes régions, parce que c'est tout simplement le relais du pouvoir sur les territoires. Ce sont là que sont coordonnées les positions des forces de l'ordre et ainsi de suite. Ce sont de là que sont données les instructions et surtout dont les informations remontent vers le pouvoir, ce qui leur permet de savoir ce qui se passe sur le territoire et du coup d'avoir au moins une apparence de contrôle qui fasse quoi ? Qui fasse qu'ils ne rentrent pas en panique à l'idée qu'une révolution est en train de naître et qu'il faut qu'ils partent. Parce que le jour où une, deux, trois, quatre préfectures tomberont, je peux vous assurer qu'à Paris, à l'Élysée, à Matignon, ainsi de suite, ils vont plus s'interroger sur comment est-ce qu'on s'assure qu'ils ne rentrent pas dans tel ou tel particulier du gouvernement ou tel autre. Non, ils vont se dire comment est-ce qu'on part ? Comment est-ce qu'on s'enfuit ? Parce que qu'importe ce qui se passe à Paris, ce qu'on est en train de voir, c'est que le territoire n'est plus tenu et qu'à partir de là, en fait, on est sur un risque d'effondrement qui risque de se payer de notre vie. Parce que de par les excès en termes de violence verbale, physique, ainsi de suite, qu'ils ont commencé à mettre en œuvre, il y a une situation dans laquelle ils savent bien que le retour qui peut leur être appliqué, à chaque fois, croît en intensité. Vous vous souvenez de la préfecture de Puy-en-Velay qui avait été mise en feu et du convoi d'Emmanuel Macron qui avait été pourchassé à l'époque. Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, c'est ça qui a permis de débloquer les 10 milliards d'euros, le renoncement à la taxe carburant et compagnie. C'est rien d'autre. Et vous auriez pu faire toutes les manifestations que vous vouliez. C'est parce que Macron, Emmanuel Macron lui-même, à un moment donné, a senti qu'il pouvait y perdre une partie de son intégrité physique, parce que le moral, elle a disparu il y a longtemps, et que toutes les personnes qui font son pouvoir au sein des grandes instances oligarchiques de Paris, les patrons de presse, les patrons des patrons de presse, donc les oligarques, et ainsi de suite, ils avaient aussi peur parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont quand même relativement nombreux, quelques milliers, et que l'État ne pourra jamais à la fois protéger les lieux de pouvoir et leur domicile, et les domiciles de leurs enfants, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, à côté des préfectures, vous avez l'hôtel particulier, en face de la préfecture de la région de l'Île-de-France, pardon, vous avez l'hôtel particulier de Bernard Arnault. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas quatre convois de CRS, sauf pendant les Gilets jaunes, c'est intéressant. Ça a été à ce moment-là disposé au-dessus. Ce qui dit quand même aussi à quel point, bon, il y a l'apparence du pouvoir politique qui prime sur tout, etc., mais il y a la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des endroits qui sont très sensibles, et ces endroits sensibles, ce n'est pas tant les domiciles des ministres que ceux des oligarques qui en fait font les carrières de ces gens-là. Et donc, évidemment, cette vulnérabilité, cette chair, en fait, qui tremblait, les a amenés à des concessions minimales, certes insuffisantes par rapport à ce qu'il faudrait pour que ce pays redémarre, mais qui, quelque part, en fait, ont permis d'acter quelque chose, de faire qu'on, quoi qu'il arrive, on n'aura pas été défait pendant cette période. L'humiliation a été retournée. C'est eux, en fait, qui ont vécu ce qu'ils nous sont habitués à nous faire connaître, notamment avec ces décisions expéditives qui ne signent même pas la décision, quand même, du tribunal administratif, non, pardon, du Conseil d'État pour nous donner une audience, est signée de M. Z. Astreinte. Enfin, vous voyez, ils prennent même plus la peine de signer des décisions de justice. Vous voyez, ils sont en fait dans une habituation au pouvoir telle qu'à un moment donné, le sentiment de défaite, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert en me dégageant de ces dispositifs de pouvoir, on n'est pas programmé pour vivre la défaite. Et pour vivre en fait le sentiment de mal-être qui s'ensuit. Et en fait, on vit dans des mondes, lorsqu'on croit dans ces espaces, qu'on fait ces grandes écoles et ainsi de suite, qui nous protègent tellement de tout échec ou de tout obstacle dans la vie, que l'on finit par croire en nous-mêmes, enfin de croire que l'on est quelque chose que l'on n'est pas, évidemment, de croire en nos talents, en nos capacités, et surtout on perd un rapport à l'autre. On perd un rapport d'identification, d'empathie, de compréhension, du fait qu'il ne suffit pas d'être du côté de ceux qui ont, qui sont, selon eux, mais qui en fait n'est que le côté de ceux qui ont le pouvoir, mais que, en fait, tout objectif de tout être humain aurait pour vocation à égaliser les conditions et à s'assurer qu'il n'y ait plus justement de camps comme ceux que Didier Lallement a décrits lors
lors de ses interventions face aux Gilets jaunes, parce que, en fait, dès que vous créez des camps de vainqueurs et de défaits, vous créez des sentiments mauvais qui finissent, en fait, non seulement par détruire des individus, mais par se retourner à terme contre ceux qui les ont nourris, et à créer des laideurs au sein de la société qui finissent par nous dégrader collectivement. Voilà. Donc. Si certains d'entre vous veulent rebondir ou poser des questions, c'est toujours le moment. Mais donc finalement, dans ta démarche, la question du pouvoir est plus centrale que la question du projet de société, en fait. Attends, je vais juste lire du coup ce que me dit le le Conseil d'État refuse de rendre ses décisions tant qu'il n'a pas reçu la décision du tribunal administratif. C'est magnifique. C'est surréaliste. Et il me demande d'écrire au tribunal administratif pour les alerter sur la nécessité de notifier une ordonnance motivée. Moi, pas eux. Enfin, c'est quand même incroyable. Comprendre, raconter, penser, se préparer, agir, frapper, gouverner. Et puis la conclusion, c'est l'après Paris et sa commune. Voilà, donc vous avez la logique du livre. Et une des choses qui est frappante dans ce que tu dis et dans cette façon dont tu segmentes les étapes vers la conquête, la reconquête du pouvoir par le peuple, c'est que finalement pour toi le pouvoir c'est la question centrale, bien plus que celle du projet. Je mets ça évidemment en relation avec les présidentielles où on parle de projet et pas de pouvoir. Moi ce qui m'intéresse en fait c'était le fondement des Gilets jaunes, et pourquoi est-ce que les Gilets jaunes se sont refusés à faire des propositions qui allaient au-delà d'éléments qui fassent consensus au sein de la population française, notamment d'une part sur des mécanismes de prise de décision, que ce soit la création du référendum d'initiative citoyenne, l'imposition de mandats impératifs et révocatoires, donc des outils qui permettent de rendre directe la démocratie, c'est-à-dire de permettre à tout citoyen, à tout moment, d'intervenir dans les affaires et de ne pas dépendre tous les 5 ans ou 7 ans, ou X années, de l'élection d'une personne qui aura été présélectionné quelque part, qui appartiendra aux classes les plus favorisées, qui sera lié à des réseaux de pouvoir différents parce que c'est ces réseaux de pouvoir qui lui auront permis d'accéder à une forme de visibilité. Il n'y a pas de façon d'exister ex nihilo. Même moi, la position que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de vous, elle reste héritière de mon absorption passée dans ces réseaux de pouvoir. C'est ce qui m'a permis d'avoir une visibilité au départ, et ensuite ce qui m'a permis, en effet, de m'en détacher et de me déconstruire, mais il aurait été beaucoup plus difficile pour moi venant d'en dehors de ses pouvoirs, d'avoir, bon, d'une part, un propos qui me permette de les décrypter d'intérieur, mais qu'importe au-delà de ce que j'ai pu apporter ou pas, d'avoir une capacité à toucher plus de personnes que celles que l'on touche chacun d'entre nous naturellement. Et il n'y a pas de qualité intrinsèque, ou alors très rarement, il y a très peu de génie de la politique, il y a très peu de génie, enfin vous voyez, la plupart des personnes, ce sont juste des personnes qui à un moment donné se sont trouvées au bon endroit et ont permis opportunément de défendre un certain nombre. Et quelque part, dans un système démocratique sain, ce serait très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'exceptionnalité de la personne qui, à tel moment, est chargée de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui est remplaçable et on a des mécanismes qui permettent de s'assurer qu'en cas de défaillance de cette personne, on puisse s'en défaire très rapidement. Donc ça, c'était l'ambition des Gilets jaunes initiales, qui était tout simplement de créer un socle minimal d'acceptation commune, quelle que soit votre origine partisane de départ, qui permette de rendre la parole à ceux qui en étaient privés depuis trop longtemps, ce qui avait amené à l'institutionnalisation et à la création de dispositifs de pillage qui avait fini par assécher les territoires et détruire le pays peu à peu. Très bien. Et donc, évidemment, à partir de là, il faut en passer par un rapport au pouvoir, une déconstruction des mécanismes de pouvoir existants. Et là où il y a une limite très importante, mais qui est en même temps une invitation à agir dans abattre l'ennemi, c'est que la fin du texte, à la fin du texte, il y a un grand plan de Paris. Du plan de Paris avec les principaux lieux de pouvoir actuels, et des lieux que l'on pourrait reconstruire pour remettre les citoyens en sein de Paris, pour faire que Paris cesse d'être cette ville bourgeoise étouffante, insupportable, qu'elle remette en fait une population qui n'y existait plus, et pour évidemment désactiver tous les lieux d'entre-soi qui existaient jusqu'alors. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Vous restez dans une démarche hyper centraliste, hyper jacobine, et vous ne réfléchissez pas, enfin, vous pouvez réfléchir, mais en tout cas vous ne montrez pas, au-delà de ce qu'est Paris, ce que serait la France en fait, et où serait le quotidien, où se réglerait le quotidien et les grandes décisions sur l'ensemble des territoires, sans avoir à en passer à chaque fois par cette supposée élite
parisienne. Et c'est là où il y a une limite qui est saine dans ma démarche, c'est que moi, je ne vais pas vous expliquer ce qu'il faut faire à Arles, à Montpellier, à Nîmes et à Avignon, parce que sinon, je suis en train de reproduire ce que je dénonce. Moi, j'ai pu faire, en fait, ce plan de Paris à partir de mon expérience au sein de Paris, mais aussi de ce magnifique confinement qui m'a permis d'arpenter cette ville de long en large et en travers, parce que un signe privilège dont je n'ai pas honte d'avoir fait usage de façon immodérée, en tant qu'avocat, on n'était pas restreint dans nos déplacements. On avait notre carte, donc ils pouvaient pas contrôler nos motifs de déplacement parce que ça aurait été une atteinte au secret professionnel. Donc à partir de cette petite chose-là, j'ai pu marcher dans Paris vide et du coup me faire une idée de la ville que je n'avais pas eue jusqu'alors, et après faire toute une série de recherches pour me rendre compte que, par exemple, place de la Concorde, donc là où a été installée la guillotine, enfin une des places où avait été instaurée la guillotine, un des lieux les plus importants de la Révolution française, il y avait eu des arbres fruitiers pendant très longtemps qui étaient en fait dans des fosses qui n'ont été que remblayées. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait très bien les déblayer et installer là soit des arbres fruitiers, soit, si on a l'esprit un peu plus cynique, voire pervers, du plexiglas avec de très belles géoles dans lesquelles on mettrait un certain nombre de personnes pour un temps relativement limité pour leur faire vivre ce qu'ils nous ont fait vivre en termes de transparence, d'humiliation, d'indécence et ainsi de suite. Alors vraiment, peut-être que j'ai l'impression que personne a noté la référence, mais il y a en fait l'idée m'est venue certes donc de cette réflexion, parce que par ailleurs c'était des hauts lieux de prostitution, donc je trouvais à la fin du 19e siècle, c'est fausse. Donc je trouvais que ça faisait un bel écho à ce qui est devenu la République aujourd'hui, et qu'ils se sentiraient en familiarité avec ces espaces. Mais il y avait aussi quelque chose de l'ordre qui un peu, il faut toujours, et c'est là où la littérature, l'histoire sont toujours des choses précieuses, parce qu'elles vous donnent des idées qui sont peut-être pas forcément les meilleures, mais qui en tout cas permettent de créer de nouveaux horizons. C'était en fait un chant de la Divine Comédie de Dante, qui est une œuvre qui a permis de créer la langue italienne par un grand poète du Moyen-Âge italien, qui lui-même s'était beaucoup inspiré de l'Énéide, de Virgile, mais aussi de l'Iliade et de l'Odyssée, qui sont des textes fondateurs de notre société. Et par exemple, je fais une toute petite incise avant de revenir à nos géoles de la République, parce que du coup, en fait, les géoles de la République auraient été les géoles du tribunal populaire et du comité de clémence, parce qu'on n'est pas que méchant, qu'on aurait pu installer sur le Trocadéro, vous savez, dans ces énormes bâtiments où notre cher Emmanuel Macron a voulu se mettre en scène plusieurs fois, dont pour l'annonce du pass sanitaire le 12 juillet, je pense que c'était au Musée de l'Homme, ce qui me semble assez extraordinaire comme symbolique, mais aussi auparavant dans son entretien un peu grandiloquent qu'il avait donné à Bourdin et à Plenel, où il avait dit qu'un président n'avait pas d'amis lorsqu'on lui avait demandé pourquoi est-ce qu'il était si proche de Bernard Arnault. Et donc, pour en revenir à Dante et à Virgile et à l'Odyssée, et donc à l'incise que je voulais faire à l'intérieur de cette incise, j'ai écrit un petit texte qui avait vendu 600 exemplaires juste avant Crépuscule, donc j'étais très fier, je pense que c'est un texte dont je suis plus fier, sur le rapport de Daesh au symbolique, après les attentats. J'avais été très marqué, comme nous tous, sur ce qui s'était passé à l'époque, et surtout sur l'incapacité de la République à produire une réponse symbolique aux événements. À part la décision, qui était quand même ridicule, voire obscène, de Hollande, d'envoyer des bombes à peu près sans savoir où en Syrie, juste pour donner l'impression qu'ils faisaient quelque chose. Et il se trouve qu'on a découvert depuis qu'ils avaient dû supplier les Américains pour leur donner des cibles et qu'ils avaient envoyé ça sur des gymnases vides pour donner un peu... Et vous vous souvenez après du spectacle assez indécent sur les Invalides où on les voyait tous frigorifiés, congelés les uns après les autres avec leur tête de gouvernant qui représentait rien et qui ne dégageait rien. Donc c'est quand même quelque chose qui m'avait aussi fait réfléchir sur la décadence quelque part de ce régime qui déjà commençait à s'incarner à ce moment-là. Et ces violences qui avaient été produites du fait de notre action en Syrie, évidemment, enfin, qui était le fruit de notre action en Syrie, l'enfant naturel de notre action en Syrie et de notre inaction en Syrie, avec tout un travail que je fais là-dessus, parce que j'ai été au Quai d'Orsay justement au moment où on avait promis qu'on allait poursuivre le diable Bachar sans rien faire, ce qui évidemment a donné des idées un peu mauvaises à certains de nos enfants, donc des gens des banlieues qui se sont dit, mais attendez, c'est des gens qui ont la même religion que nous, etc., et qui souffrent de l'action d'un diable, c'est même le ministre des Affaires étrangères qui nous le dit, et donc vous avez bien eu quelques imams qui sont glissés là-dedans pour leur dire, bah, les cocos, nous on va faire quelque chose, venez avec nous, et de là, en fait, la création de filières terroristes qui n'existaient pas jusqu'ici. Bon, ça, c'est une première partie, et donc parmi ceux qui sont partis là-bas, il y avait un certain Nabaoud, qu'à l'époque personne ne connaissait, mais qui, avant les attentats, avait fait une vidéo de vacances assez sympathique où il jouait avec des têtes, enfin, il faisait des jongles avec des têtes qui avaient été tranchées, puis après, il traînait des corps
dans un champ, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo horrible, avec un pick-up en fait, où il traîne des corps sur les champs de Syrie comme ça, pour des corps de cadavres de pétain, d'une famille qui venait d'assassiner alors qu'il déjeunait. Et en fait, ce geste, immédiatement, moi, m'avait fait écho à cette scène totémique qu'il y a dans l'Iliade, lors de laquelle on a Achille qui traîne le corps d'Hector autour de Troie, pendant le siège de Troie, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que les dieux interviennent pour interrompre la dégradation de la dépouille d'Hector et l'empêcher, en fait, Achille de commettre l'irréparable. Et donc, quelle est l'utilité de cette scène dans l'Iliade ? C'est de créer une forme de tabou, vous voyez, de tabou absolu. Le tabou, c'est des choses qui, dans notre société, dans telle société, ne peuvent être commises, quelle que soit l'inimitié que vous allez avoir à l'égard de la personne à laquelle vous êtes opposé, c'est des indignités absolues, qu'il faut respecter quoi qu'il arrive. Et donc l'intervention des dieux symbolisait ça, et ce tabou de la dégradation des cadavres, y compris des personnes que l'on déteste, et que l'on hait le plus ou qui sont nos ennemis, est resté à travers la civilisation occidentale, y compris dans les moments de guerre les plus ouvertes. Il y avait en théorie du moins l'importance, ça fait partie d'un certain nombre de codes, d'enterrer la personne qui, y compris appartenant au camp adverse, est intervenu. Et donc Abaoud, ce qu'il faisait, sans probablement avoir lu l'Iliade, hein, je ne les surestime pas, en fait, c'était renverser quelque chose qui s'était ancré dans nos esprits, de façon complètement inconsciente, mais indéniable, en fait. Même sans avoir lu l'Iliade, on a tous en tête que parmi les tabous absolus, les interdits absolus de notre société, il y a celui de ne pas dégrader un cadavre, le corps de quelqu'un qui est mort, et qu'il faut l'enterrer, qu'on ait un lien ou pas affectif avec cette personne, et si personne ne le fait, c'est à la collectivité de le prendre en charge. Et donc évidemment, Abaoud était dans une jouissance du retournement de ce stigmate, enfin pardon, de ce tabou. Pourquoi ? Parce qu'il était en train de participer, croyait-il, à la fondation d'un nouvel ordre politique. Et lorsque vous devenez souverain, qu'est-ce qui vous est attribué comme qualité ? L'impunité. Évidemment, c'est pour être souverain, le corps politique que vous êtes en train de constituer ne peut pas s'attaquer à vous, parce que sinon, en fait, c'est une anarchie et c'est une remise en cause permanente. Et donc, lui se croyait être en voie de souverainisation et donc en capacité de violer, y compris les tabous les plus fondamentaux de la société. Et pourquoi est-ce que je fais cette parenthèse ? C'est pour dire les échos que créent ces œuvres importantes au sein de nos esprits. Et donc, sans le savoir, je m'en suis rendu compte en lisant La Divine Comédie après, avec cette idée de plexiglas et de géole de la République sur la place de la Concorde, j'étais en train de réactiver donc, ce chant de la Divine Comédie de Dante, qui elle-même donc, s'inscrit dans une réactualisation des textes anciens de la Grèce antique et ensuite de l'Empire romain, qui est un chant dans lequel donc, l'histoire de la Divine Comédie, très rapidement, on ne va pas faire un cours sur la Divine Comédie, mais c'est quelqu'un qui va traverser les différents cercles de l'enfer avant après de découvrir le purgatoire et le paradis, et qui, dans cette traversée-là, va découvrir en fait des horreurs successives. Et parmi ces horreurs, il y a un lac glacé où sont emprisonnés les traîtres, et en fait les traîtres sont sous ce lac de glace et le supplient de l'aider et de le sauver. Et il y a toute une dynamique qui se crée, et évidemment, en fait, cette jeune de République faisait écho à cette chose qui, très inconsciemment, dans notre esprit archaïque, réserve comme sort à ceux qui ont, à un moment donné, trahi la parole, le mandat, et ce qu'ils ont fait de façon très déterminante. Je ne pense pas qu'il faille en y arriver là. Je pense qu'on a des outils pour intermédiaires qui nous permettront de créer une nouvelle politicité sans avoir à passer par cette forme de cruauté. Mais justement, je trouvais que ce clin d'œil, en fait, quelque part, et aussi, quelque part, cette forme de provocation permettait de leur montrer que, en matière de cruauté, s'ils voulaient jouer à ce jeu-là, on pouvait aussi, nous aussi, être très créatifs et trop joueurs, et qu'il valait peut-être mieux qu'on trouve d'autres formes de confrontation politique qu'un pur rapport de force qui risquait, en fait, de tourner à leur désavantage. Justement, alors, confrontation politique, est-ce qu'en période... Alors, tu dis, dans Battre l'ennemi, d'ailleurs, aussi... que finalement, l'élection présidentielle, c'est la supercherie ultime, c'est ce qui permet de transformer le pouvoir de tous dans le pouvoir d'un, et donc c'est une perversion totale du pouvoir. Est-ce que les présidentielles peuvent être un moment de sursaut ? Est-ce que les présidentielles peuvent être un moment où on transformerait la Constitution ? Ou est-ce que finalement la seule voie, c'est celle de l'insurrection populaire ? Ouais, je parle beaucoup de la présidentielle, j'en parle dans Abattre l'ennemi,
Et j'en parlais auparavant dans un texte alors très théorique, très difficile d'accès, mais qui est en libre accès en PDF, donc vous, si vous voulez essayer, après vous, vous dites si vous continuez à lire ou pas, qui s'appelle « Contre Macron ». Donc contrairement à son titre, c'est pas du tout un texte militant, ou qui parlerait de la politique adoptée par Macron, mais c'est une réflexion sur le rapport à la souveraineté et au pouvoir, et à la question en particulier de la fonction présidentielle. Et sur cette question-là, en fait, l'élection présidentielle en France, c'est avant tout un dispositif de fascination. L'objectif de la présidentielle, c'est de réactualiser votre croyance dans le système politique tel qu'il existe, en vous offrant une confrontation très contrôlée, qui permette, en fait, par les excitations libidinales, par les discussions qu'elles vont nourrir, par les fixations que vous allez créer sur tel trait de caractère de telle personne ou telle autre, bien plus que sur un quelconque débat de fond, en fait, une forme d'apparence de souveraineté, de capacité à décider de l'avenir de votre nation, qui en fait va se réduire en peau de chagrin, parce que les compromis qui doivent être faits par les candidats à ces élections sont tels, leur capacité à intégrer le champ des candidatables, comme on le dit, est tellement réduite que vous allez vous retrouver en fait à choisir entre un nombre extrêmement limité de personnes qui par ailleurs auront des outils très importants à mobiliser pour vous tromper, pour vous amener à croire quelque chose, alors qu'en fait, dans le réel, ils vont être en capacité de faire tel autre, ou dans l'intention de faire tel autre. Donc, contre Macron était avant tout un mécanisme de désactivation de cette croyance. Donc, en fait, je regardais un peu notre société comme les anthropologues dans les années 60-70. Il y a un très grand réalisateur qui s'appelle Jean Rouch, de documentaire extraordinaire, qui était inscrit dans l'époque de la Nouvelle Vague, qui était parti en Afrique de l'Ouest filmer les dernières tribus qui étaient encore dans des modes de vie qui n'étaient pas occidentalisés, sur des territoires qui avaient été colonisés, mais où la puissance coloniale n'était pas vraiment arrivée parce que, en fait, la puissance coloniale telle qu'on l'a décrit était beaucoup moins capable de contraindre que ce qu'on croit. Elle tenait des lieux fermes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle était si cruelle et si violente. Il y a toujours, en fait, dans la capacité d'un pouvoir à fabriquer du consentement, l'envers de sa violence. Il n'y a pas de nature bonne du pouvoir ou d'un régime politique ou d'un autre. Si un pouvoir réussit à vous faire consentir à l'exploitation qu'il produit sur vous, il va vous envoyer moins de LBD. Et s'il a plus de mal à créer ce consentement, il va vous envoyer plus de LBD. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de magie de la démocratie, de la dictature. Il y a vraiment une donnée fondamentale qui se réduit à ça. Et donc Jean Rouch se balade dans ces espaces un peu moins touchés par la puissance coloniale, donc des tribus qui vivaient comme elles ont vécu au cours des siècles, et peut-être pour certaines des millénaires, avec les mêmes mécanismes. Et donc il filme ça, il montre les rituels qui font que, avant de partir à la chasse au lion, il y a un très beau documentaire de quelques dizaines de minutes sur la chasse au lion, dans une de ces tribus, je pense au nord de la Côte d'Ivoire, et où on voit en fait le sorcier faire des cérémonies avec l'ensemble des... Et ce qu'on découvre en fait en voyant ce documentaire, c'est que évidemment, ils sont pas plus bêtes que nous. Donc ils y croient pas plus ou moins que nous on croit en l'élection présidentielle ou en la capacité de notre président à tout d'un coup changer notre destin ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a un abandon volontaire de la rationalité auquel on concède parce qu'il y a une excitation très forte à l'idée de croire et un plaisir en fait qu'on en tire à l'idée tout d'un coup de rentrer dans une fiction qui va nous soulager du poids du réel, de sa pauvreté, qui est exactement la même que l'on recherche lorsque l'on va au cinéma. C'est-à-dire à un moment une suspension du jugement qui va vous amener à admettre, mais ce mec est vraiment exceptionnel, il a vraiment un talent incroyable, allez, j'y vais. Et puis, ce qu'on vous demande ne coûte rien, littéralement, enfin, à part un déplacement aux urnes, ils ont l'intelligence de ne pas vous faire payer, contrairement à l'époque où il y avait un suffrage censitaire, et bien finalement, au pire du pire, vous dites, ouais, bon, ça ne coûte pas grand-chose, et puis peut-être que marginalement, etc. Ce qu'il est important de désactiver, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voter ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il est important de désactiver cet effet de croyance en amont, Et le fait que la possibilité d'aller voter suffirait à faire de vous des citoyens souverains, en fait, et que suffirait à avoir de votre part une capacité à peser sur les déterminations politiques de notre pays, parce que je peux vous assurer que ça ne compte pour rien, et d'ailleurs on l'a bien vu avec les dernières élections où on peut atteindre 70% d'abstention, ça ne change strictement rien, ni aux politiques qui sont adoptées, ni à la légitimité dont ils se croient investis ou pas, au point où celle qui a été élue avec 70% d'abstention et donc in fine peut-être 8 ou 10% du corps électoral, Valérie Pécresse a cru que ça suffisait pour aujourd'hui devenir la candidate de la droite aux élections présidentielles parce qu'elle était justement la grande vainqueur des élections régionales. Et à l'inverse,
Xavier Bertrand, qui, parce que ces gens finissent par croire à la fiction qui sont construites, s'est dit « Ah non, je peux pas y aller. » Enfin, vous voyez, je peux pas y aller parce qu'il y a une primaire avec 100 000 personnes qui m'ont dit que... Enfin, il y a un vrai détachement auquel je vous incite, que d'ailleurs Macron lui-même n'a pas suffisamment construit ce détachement. C'est-à-dire que Macron a trop cru qu'il était extraordinaire parce qu'il avait été élu, qu'il avait en effet droit d'exercer tous les pouvoirs que théoriquement lui confère la Constitution et la loi, qu'il pouvait s'asseoir sur l'ensemble des instances intermédiaires qui sont censées faire contrepoids, relayer des revendications et des aspirations d'autres personnes, enfin d'autres pans de la société qui ne peuvent se réduire à juste un suffrage tous les 5 ans sur une personne et un vague programme politique. Enfin, il n'y en avait pas vraiment pour Macron qui lui aurait été proposé. Et donc, il s'est cru investi d'une mission quasi divine qui explique, en fait, la fatuité avec laquelle il s'est saisi de ce pouvoir et les délires dans lesquels il est rentré pendant ces quelques années. Et donc, nous, il faut qu'on soit attentif, non pas parce qu'on pense se présenter aux élections présidentielles et qu'on risque de croire dans le pouvoir qu'on nous donnerait si on devenait président, mais à l'effet, finalement, qui va faire que tous les 5 ans, on va avoir une forme de répit de l'esprit en exerçant ce droit qu'on a fini par nous octroyer après des millénaires de servitude absolue et qui, en fait, change très peu à cette servitude dans laquelle on reste soumis aujourd'hui. Mais alors, parlons plutôt du consentement, de la fabrique du consentement. Est-ce que, justement, la fabrique du consentement, en ce moment, elle n'est pas en pleine déconstruction entre MeToo, Black Lives Matter, des mouvements antiracistes partout, les gilets jaunes, et est-ce que cette fabrique de consentement généralisée, idéologique, qui nous tient tous, n'est pas en train de se délarder, ouais. Même avec ta présence, d'ailleurs, tu en fais partie. Non, parce que je trouve ça intéressant que, sans rien dire, des mouvements en soi... Mais justement, la façon vous parlez de Black Lives Matter, de MeToo, etc., c'est des slogans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement réel en dessous. Mais en fait, il y a déjà la construction d'une fiction. Il y a la construction d'une unité idéologique apparente qui représenterait un bien absolu, ainsi de suite, qui ne répercute pas du tout la diversité et les difficultés qu'il y a à traiter de questions qui, en fait, sont liées à des structures de domination très anciennes, très ancrées, pour certaines anthropologiques, pour d'autres économiques, pour d'autres encore... plutôt de l'ordre sociétal et ainsi de suite. Et donc on se retrouve dans une situation où, au contraire, il y a une accélération de la production de la croyance. C'est-à-dire qu'on nous incite à adhérer très rapidement à des mouvements par leur surface, qui englobent en fait des réalités très très différentes et qui en fait vont provoquer des troubles, y compris de la compréhension et de MeToo. C'est intéressant parce que MeToo, ça va du viol extrême à l'agression sexuelle passant par de simples mots qui auraient été édictés, y compris sur une plateforme virtuelle, etc. Vous ne pouvez pas dire que c'est la même chose. Vous pouvez dire qu'il y a un problème dans les rapports entre genres. Vous pouvez dire mille choses. Mais vous ne pouvez pas mettre sur un pied d'égalité et après commencer en fait à construire à partir de là un raisonnement qui devient extrêmement binaire et appauvrissement de la complexité du réel, justement, des rapports de genre, de domination qui peuvent exister à partir de là. Et donc, au contraire, il y a peut-être... un accroissement, une exacerbation, sauf que du coup elle se fait par silos. Il y a des silos tout d'un coup de croyances qui se créent, qui ne font plus nécessairement société dans son ensemble, qui en plus créent des... Et là je parle de Black Lives Matter, c'est-à-dire qu'en fait, de par l'importation, enfin, les effets, les évolutions, les influences qui existent entre les différents pôles civilisationnels, donc en l'occurrence entre ces deux mouvements, entre les États-Unis, qui a quand même une tradition très différente de la nôtre, de par son ancrage dans le protestantisme, etc., Black Lives Matter, c'est quand même très lié à une situation de ségrégation qui a prévalu aux États-Unis pendant des siècles et qui s'est prolongée jusqu'à très tard, quand même, bien avancé dans le XXe siècle, qui n'est historiquement pas du tout comparable à la France. Est-ce qu'il y a des problèmes en France par rapport à l'idéologie qui a été construite pour légitimer les colonisations, et ainsi de suite? Évidemment. Est-ce que c'est la même problématique que celle qui existe aux États-Unis qui justifierait que parce qu'ils ont commencé à s'agenouiller dans des matchs de football américain, on devrait faire exactement la même chose, place de la République, sans essayer de construire nous-mêmes en fait, des mouvements de résistance à l'oppression qui prennent en compte les particularités de nos situations et ainsi de suite? Je ne suis absolument pas d'accord. Et donc, en fait, il y a au contraire, évidemment, des enjeux de pouvoir très importants. Vous imaginez bien que si Black Lives Matter a été immédiatement appuyé et propulsé par Nike et compagnie, c'est parce qu'ils en ont vu, y compris un objet commercialisable. Dans une lutte, enfin, je veux dire, des gens comme Martin Luther King Malcolm X et compagnie, je pense qu'ils seraient, ils auraient la boule au ventre de voir qu'il y a une récupération par des immenses entreprises multinationales et compagnie d'un combat qui a coûté la vie à leur frère, qui leur a coûté un sacré... Enfin, des choses qu'ils ne peuvent pas
être commercialisés, qui ne peuvent pas être transformés en une sorte de, bah, tout simplement, de courant un peu sympathique qui peut se transmettre dans les médias mainstream sans qu'en fait la capacité, et ça c'est le dernier point, la capacité d'affecter le réel soit importante et soit majeure. Parmi ces choses qu'il s'agit de déconstruire, on pourrait remonter un peu en amont sur la fascination qu'avait produit notamment au sein des élites parisiennes, encore une fois des élites, elles s'appellent comme telles, sur l'élection de Barack Obama. Si on veut être vraiment transgressif politiquement, Barack Obama, c'est quand même l'incarnation de l'acceptation de la notion de décence. Et la notion de décence, en fait, que ce soit pour le coup pour les Noirs américains aux États-Unis ou par exemple pour les classes populaires en France, c'est l'acceptation de l'ordre établi. C'est-à-dire la capacité à plier les chines. C'est le refus d'exprimer par une forme qui serait trop transgressive, trop violente, un désaccord avec le système existant. Et donc en fait, Barack Obama, pourquoi est-ce qu'il a réussi à arriver au pouvoir en créant une forme de consensus qui a fait qu'il n'y a pas eu d'obstacle réel de la part de l'élite conservatrice blanche, notamment de la côte est états-unienne, c'est parce que, quelque part, paradoxalement, il incarnait cette forme de décence qui leur permettait de se dire « Ah ben, il a bien accepté l'ordre existant, donc on peut le promouvoir », parce que justement, au contraire, il servira d'exemple. Il servira d'exemple à ceux qui auraient la tentation de la rébellion, de la rupture, et ainsi de suite. Et si vous jugez le mandat de Barack Obama en termes de résultats politiques pour les classes les plus défavorisées, pour les Noirs américains qui sont les héritiers de ces esclaves qui ont eux-mêmes par la suite, une fois qu'ils ont été libérés, entre guillemets, ségrégés pendant des décennies et des décennies, il est nul, voire négatif. Et c'est ce qui a provoqué, évidemment, par ricochet, l'élection de Donald Trump comme une rébellion à l'encontre de l'establishment, rébellion évidemment bien contrôlée par ce même establishment, parce que Donald Trump en était issu, mais une façon de rechercher à travers lui quelque chose qui provoquerait une forme d'insulte et d'inconfort au sein de ces individus qui avaient coopté auparavant Barack Obama. Ce qui a mis Barack Obama, et je trouve ça très intéressant quand vous essayez de lire ses mémoires interminables, le fait qu'elles soient interminables, c'est déjà intéressant, c'est vraiment un pavé, mais un peu indigeste, et quelque chose de très réflexif. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne en boucle, et il n'arrive pas vraiment à prendre... En fait, on comprend qu'il s'interroge sur son propre échec, sans l'énoncer, parce qu'il n'accepterait jamais, parce que ça serait trop violent pour lui d'admettre que ce qu'il est quelque part une dégradation des luttes dont il a voulu se revendiquer et se faire l'héritier, quelque chose qui, au contraire, a produit un effet conservateur à leur encontre. Il y a chez lui, donc parce qu'il a ce blocage probablement... Je ne sais pas si psychique, en tout cas se refouler, cette incapacité à regarder la vérité en face, qu'il a été non pas idiot utile, il ne faut pas être dégradant ou insultant à l'égard de personnes qui ont essayé de construire un parcours qui par ailleurs pourrait être considéré comme avoir des mérites, mais quelque chose de, bah, quand même de l'échec. Oui, et ne pas l'admettre, c'est sa façon de se protéger, de ne pas s'effondrer, c'est aussi sa façon tout simplement de ne pas se faire exclure de ce milieu dans lequel il fait, vous l'avez vu, ces photos qu'il y avait eu après son élection du jet ski dans les résidences de milliardaires de Branson, au moment même où il y avait des mobilisations très importantes, avant que ça devienne un mouvement commercial, avant que ça devienne justement Black Lives Matter, juste après la mort de George Floyd, au moment où il y avait pour le coup en fait une vraie rébellion qui risquait de dériver, si ce n'est en guerre civile, du moins en révolte importante de la part des classes prolétaires des États-Unis, bah lui il est en train de faire du jet ski dans des maisons de milliardaires. Et donc évidemment il est intelligent, donc il a conscience qu'il y a quelque chose dans son positionnement qui ne fonctionne pas, ou en tout cas il a inconscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et donc il écrit 1000 pages où il tourne autour du pot sans arriver à trouver en fait la réponse qu'il essayait de rechercher. Mais ça, la capacité de récupération du capitalisme, par le capitalisme de tous les mouvements qui en s'apprêtent cependant, qu'il critiquerait, elle est quasi infinie. Moi, je me souviens du musée d'Auckland où on voit l'histoire indienne, l'histoire américaine indienne, donc tous les étages, et puis évidemment, où il n'y a pas l'étage, on les a tous massacrés, alors que ça a commencé par un génocide, quoi, l'occupation des États-Unis. Et on connaît cette capacité-là de récupération, et justement, il y en a une qui est peut-être en cours en ce moment, c'est celle de l'idée de la fin du monde. T'en as parlé hier soir à Saint-Laurent-des-Arbres, ça m'a beaucoup frappé parce que pour avoir publié pas mal de récits de science-fiction dystopique visionnaire, c'est-à-dire qui dès les années 80 annonçait finalement le monde vers lequel, inhumain vers lequel on allait, et c'est possible fin réelle, quoi, c'est-à-dire dans
le monde sombre dans la violence insupportable, en général celle du plus grand nombre. Elles ont aujourd'hui, donc elles sont lues, elles sont plus entendues, mais elles se doublent de discours ou d'une vision totalement collapsionniste qui consiste à dire que de toute façon le monde va droit à sa perte. Est-ce que ça aussi c'est pas un discours, une nouvelle histoire de récupération, donc du pouvoir d'aujourd'hui, un nouveau récit qui nous est tendu. On parle du discours eschatologique sur la fin du monde à cause de la crise écologique. Crise écologique, crise politique, ouais. La fin du monde, quoi, c'est-à-dire oui, écologique essentiellement. Moi, donc on va mettre les données parce que à chaque fois on risque de s'appuyer sur des conclusions qui n'existent pas. Donc, il y a évidemment une crise très grave de notre rapport à la nature, de l'exploitation ahurissante des ressources qu'on a mises en œuvre, ça c'est évident, on le voit tous, et de toute façon il n'y a pas de déni à avoir à ce sujet. Par contre, moi je me suis interrogé sur la productivité, donc l'utilité des discours eschatologiques, apocalyptiques, qui annoncent quelque part la fin du monde, voire ou de l'humanité, ou la nécessité de sauver la nature. Ce que je trouve d'ailleurs comme un truc démiurgique de toute puissance complètement délirant, c'est-à-dire qu'on est en train activement de détruire la diversité biologique, d'exploiter nos ressources de façon... Et on se met en position de sauveur, ce qui est quand même presque pervers, vous voyez. Alors qu'en fait, il n'y a évidemment aucune façon de sauver, entre guillemets, une nature qui n'avait pas du tout besoin de sauver si on n'existait pas, d'être sauvé si on n'existait pas, c'est quand même le premier point. Et de toute façon, même en adoptant les mesures les plus radicales et délirantes qu'on pourrait adopter, nécessairement, on continuera à être dans un rapport de dégradation et d'exploitation des ressources naturelles, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'anthropique, c'est-à-dire qui est vraiment lié à et d'anthropologique, c'est-à-dire dans notre rapport justement à la domination de notre de ce qui nous entoure, afin de s'en protéger et par ailleurs de nous étendre. C'est une caractéristique de notre espèce. Mais là où en fait j'ai un doute sur la question de la pertinence de ce discours eschatologique, donc dont on voit bien les réminiscences millénaristes et même religieuses. En fait, on voit bien en fait le discours de l'Apocalypse et compagnie, comment quelque part les sociétés ont toujours besoin de s'inscrire dans une temporalité définie qui les amènerait à devoir se raccrocher avant la chute à quelque chose qui leur, non seulement qui permettrait de se sauver, mais qui permette à chacun d'entre nous de se mettre dans la position de sauveur. Donc vous voyez, il y a un jeu dans la position de l'ego qui me semble déjà problématique et à questionner et à déconstruire. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément sur lequel je me pose, et je vous le dis en ayant été, quand j'étais gamin, à 17 ans, 18 ans, j'ai adhéré, dans mon souvenir, un seul parti politique auquel j'ai adhéré, ça s'appelait Les Verts à l'époque encore, et pendant un an, justement, donc j'étais au cœur de la matrice idéologique de l'écologie en France, et j'ai pas du tout renié cet engagement qui pour le coup est un des seuls qui m'est intéressé. On collait, voilà, il y a 15 ans, on collait des étiquettes sur les 4x4 en faisant des safaris sauvages dans Paris. Enfin, c'est pas très souverain comme démarche politique, mais enfin voilà, on faisait chier des 4x4 à un moment où les gens disaient mais enfin c'est quoi, enfin, vous êtes complètement tarés, c'est quoi le problème avec les 4x4, enfin, il n'y avait pas de problème, enfin, il ne devait pas y avoir de problème avec les 4x4. Mais il y a quand même une réflexion sur justement ce qui m'avait fasciné quand j'avais 16-17 ans, c'est-à-dire cet aspect, cette capacité à englober l'ensemble des problèmes auxquels on est confronté, cet aspect totalisant de l'idéologie écologiste, et je ne le dis pas de façon négative, qui nous permette quelque part de créer presque un substitut au religieux, peut produire problème lorsque on crée un horizon d'effondrement collapsologue, eschatologique, apocalyptique, tout simplement parce que, un, il est contre-productif. Et pourquoi est-ce qu'il est contre-productif? Parce qu'il va amener une partie de la population, et ça on ne le mesure pas assez, à être dans un rapport d'accélération à la consommation de ressources. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on vous fixe un horizon qui se raccourcit, qui fait que vous savez que dans 5 à 10 ans, vous n'allez plus pouvoir prendre l'avion, ou en tout cas on vous annonce que ça ne va pas être le cas, vous avez envie, quand vous êtes dans la classe moyenne ou la classe haute, d'être allé une fois en Thaïlande, d'être allé une fois voir, selon vos goûts culturels, soit d'être allé à Cancun quand vous avez 18 ans parce que vous avez vu plein de films américains et qu'il y a plein de très jolies filles et très jolis garçons qui sont dans des super piscines et que vous avez envie de vivre cette expérience érotisante qui était présentée dans 40 000 œuvres culturelles, soit aller voir les pyramides mayas, soit aller voir les pyramides tout court, et ainsi de suite, voyez. Et il y a un effet, de facto, d'accélération qui est accrue de façon quasiment délirante au sein des très hautes sphères. Alors eux, ils partent dans l'espace, quoi. Ils disent, bon, bah, yallah, on y va avant qu'il soit fini, et si on y reste, et si on peut y rester, tant mieux. Enfin, on va essayer de... Donc il y a un aspect de fuite en avant
qui fait que quand il y a ces dénonciations sur Twitter qui peuvent sembler futiles sur le fait que Bezos, en 10 minutes dans l'espace, a cramé l'équivalent de 10 000, enfin, de 10 000 bilans carbone, enfin, des bilans carbone de 10 000 personnes en un an, ok, il y a cet aspect, on se dit, bon, ok, très bien, ça ne change rien à la donnée structurelle, mais il y a aussi cet aspect, si vous regardez ça plus profondément, qui est de l'ordre de dire, bah oui, en fait, nécessairement, plus vous dramatisez l'enjeu sans apporter de solutions intermédiaires concrètes, stables, et qui, justement, permettent un rapport coopératif au monde et un renoncement collectif, vous allez inviter les gens à avoir un comportement de sauf qui peut. Et en fait, et aller récupérer le maximum. Et le plus décent dans ce sauf qui peut, c'est, en gros, s'enfermer dans une grange et attendre que l'apocalypse arrive avec ses trois brebis et ses quatre choux qu'on aurait plus ou moins essayé de planter grâce au manuel qu'on aura commandé sur Amazon quand on habitait encore à Paris, dans l'espoir que ça passera et que même s'il y a 10 degrés d'augmentation de la température, on aura pas assez de gens qui réussiront à traverser la Méditerranée avant qu'elle soit séchée pour venir nous voler les choux. Enfin, vous voyez, enfin, on rentre dans un rapport au monde, dans le meilleur des cas. Évidemment, il y a encore un meilleur des cas, c'est-à-dire que vous faites ça de façon coopérative, mais à un moment donné, il se pose la question du pouvoir. Comment est-ce que vous protégez si vous êtes en train de créer des îlots? Aujourd'hui, évidemment, tout le monde se fout un peu de vos choux, mais si ce que vous dites est vrai, dans 30 ans, vos choux ils vont avoir une valeur qui va faire que vous allez vous instituer en position de pouvoir. Et vous allez devoir faire quoi? Vous allez devoir créer des milices, vous allez recréer en fait les choses que vous dénonciez au moment où vous étiez en train de vous exfiltrer. Et dans le pire des cas, vous êtes en train de vous envoyer dans l'espace avec des carburants fossiles qui sont en train de dégrader et d'accélérer. Et donc en fait, je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à la satisfaction que nous apporte l'annonce de ce discours catastrophiste, collapsologue et compagnie. Non pas qu'il ne faille pas prendre au sérieux, mais au contraire, parce qu'il faut prendre au sérieux cette menace. C'est-à-dire qu'il faut l'approcher de façon froide et intelligente. C'est-à-dire vraiment à partir des données, à partir de la construction de mesures qui nous permettent collectivement d'essayer soit d'éviter la catastrophe, soit de s'adapter par rapport à la catastrophe qui vient et de voir quelles sont justement les différentes mesures que l'on sera en capacité à... Voilà. C'est juste en fait une prévention sur le rapport au discours. C'est pas du tout sur les faits réels de la destruction de la nature telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui me semble non seulement impossible à nier, mais qui se sent de façon beaucoup plus générale parce qu'on détruit la nature de la même façon qu'on détruit les villes et enfin l'écosystème qu'on a construit au cours des siècles avec les zones d'activité commerciale qu'il y a autour des villes, enfin l'exfiltration des commerces dans ses alentours, la civilisation. Enfin, il y a une dégradation civilisationnelle qui nous amène par ailleurs à détruire la nature, mais qui nous détruit aussi dans nos formes de vivre ensemble. Et cette écologie, c'est-à-dire l'écologie, c'est quand même la gestion de la maison, en fait, de ce qui nous entoure. Elle doit prendre en compte, elle doit peut-être commencer justement par la question urbaine, par la question des formes d'organisation sociale, pour justement essayer de réfléchir de façon un peu globale et pas juste dans une hystérisation qui permet à certains de se sentir particulièrement importants ou dans le juste ou ayant raison parce qu'ils ont prévenu tout le monde et donc voilà, ils ont réussi à faire quelque chose dans leur vie qui leur apporte une satisfaction. Encore une fois, je dis sans mépris vis-à-vis de ceux qui se font les porteurs de ces messages, d'une part parce que ça n'a pas été évident à porter, c'est pas aujourd'hui la récompense que l'on attribue à ceux qui sont dans le discours du logiste. Elle ne vient pas réparer les années d'ostracisation et de mépris que les gens ont eu pour les gens qui allaient dans le Larzac et compagnie. Et surtout, elle reste nécessaire. Mais attention à la satisfaction qu'on en tire et au rapport au pouvoir que ça peut produire. Bien, maintenant, c'est... Voilà. Juste pour revenir sur la question des élections, si vous pensez à la primaire populaire... Qu'on est content que ce soit fini, non? Et de ne plus avoir à en parler. De toute façon, à mon avis, c'est très bête de jouer au Nostradamus en politique parce qu'on se trompe toujours sur la façon dont les phénomènes que l'on devine se matérialisent. De la même façon qu'on pouvait deviner qu'un mouvement d'un mouvement social populaire très important allait se mettre en œuvre, personne ne pouvait deviner que ce serait à travers un gilet jaune et en prenant les ronds-points. Donc, de la même façon, on peut avoir une analyse structurelle et une connaissance profonde des phénomènes auxquels on est confronté. Par contre, savoir quel événement va produire quoi, c'est strictement impossible parce que sinon, on serait capable de modéliser et de créer en fait des algorithmes qui nous permettraient de gérer les affaires humaines et on n'aurait pas besoin de s'en occuper. Mais par contre, c'est vrai que je suis en train de sentir l'effondrement de la candidature de Taubira, non pas comme on le voit socialement, mais en fait son effondrement le plus grave et le moins visible, c'est tout simplement qu'il y a un mouvement du système politique tel qu'il existe aujourd'hui qui va faire qu'elle ne va jamais avoir ses 500 parrainages. Donc en fait que dès le départ,
il y a quand même la question de sa capacité à se présenter qui n'a pas été posée par l'ensemble des médias, alors qu'ils harcèlent tous les autres candidats qui les gênent de cette question. Mais est-ce que vous allez avoir sans son parrainage? Donc de toute façon, vous n'allez pas les avoir. Donc ça, c'est pas nécessaire de parler de vous. Par contre, Christiane Taubira, du fait de je ne sais quelle surlégitimation que lui donne le pouvoir, tout simplement parce qu'elle y a participé, et que vous soyez pour un camp ou un autre, en fait, vous avez une légitimité particulière au regard des dispositifs de pouvoir par rapport à tout autre citoyen. On ne lui a pas du tout posé la question, mais au point où on est rentré dans un déni absolu qui fait qu'on a oublié qu'elle n'avait aucune capacité en fait, à récupérer ses 500 parrainages, si ce n'était par une alliance, soit avec Hidalgo, enfin avec le Parti Socialiste, soit avec Yannick Jadot, et que donc en fait, ce à quoi on était en train d'assister, c'était juste une lutte d'appareil qui était en train de se rendre explicite, où chacun essayait de jouer sa meilleure carte pour absorber l'autre. Et elle, en l'occurrence, elle s'est agrippée à la primaire populaire, de la même façon qu'Anne Hidalgo s'est agrippée au réseau d'élus du Parti Socialiste et donc aux signatures, en disant « Bah non, moi j'ai ça, toi tu peux pas l'avoir. » Taubira disait « Bah moi j'ai les 400 000 personnes, toi tu peux pas les avoir. » Et Jadot arrive derrière et probablement va dire « Bon bah les cocos, vous avez rien du tout. Moi j'ai mes 5%, donc venez à moi, parce que sinon on va avoir Mélenchon. » Enfin, vous voyez, et donc on est dans une dynamique comme ça, mais qui est de l'ordre de l'épiphénomène en fait. C'est pas intéressant, d'autant plus qu'on la primaire populaire, ça c'est intéressant quand même de le dire, n'a jamais été populaire. C'est des petits gamins insupportables qui me ressemblent à quand j'avais 20 ans, qui sont à Sciences Po, qui croient tout savoir sur ce qu'il faut faire et qui font la leçon à la terre entière et qui en fait sont complètement compromis déjà dans des dispositifs de réseau et de compromission et qui vont instrumentaliser des personnes qui avaient besoin de cette respiration démocratique, qui croyaient qu'il était nécessaire justement d'avoir la possibilité de participer à ce choix en amont et pas de se voir imposer par les différentes escadres politiques.